de venir à cette réunion pour parler d'un sujet qui me semble devrait aller de soi. Mais enfin, je sais qu'il y a des coins encore dans notre société où c'est pas complètement accepté que ce sujet-là, il aille de soi. C'est pour ça que je suis un peu surpris aussi, même si je sais bien qu'il y a encore des coins comme ça, je suis un peu surpris qu'on m'invite pour parler de ça. Là. Je suis loin d'être un spécialiste de ces questions, sauf que ça m'intéresse beaucoup, puis que depuis cinq ans que je suis dans le Québécois, j'ai eu l'occasion, à même des dossiers sur lesquels on gueulait dans le domaine minier, de voir à quel point ce sujet-là, qui est le syndicalisme, donc, a une importance vitale, comme d'ailleurs pour les travailleurs du monde entier. Tout en n'étant pas un expert, bien sûr, suivant un peu les événements, je me dis, pourtant, ça devrait être devenu inutile de prêcher les vertus essentielles du syndicalisme. Syndicalisme, évidemment, qui est celui, pour employer un proverbe que tout le monde connaît, qui réalise la force que fait l'union, à condition que l'union soit libre, qu'elle est, et libre, ça veut dire qu'elle est, de quelque façon que ce soit, sa totale, complète indépendance vis-à-vis des employeurs, des patrons. Et vous, ça, il me semble que ça nous a coupé le sens d'union véritable, du côté des travailleurs, des ouvriers, à quel point ça peut coûter cher. Et à part ça, on n'a pas besoin d'être vieux comme Mathusalem, il suffit d'avoir vécu, disons, 5 ou 30 années à peu près conscient, chez nous comme ailleurs, encore une fois, pour savoir à quel point ça a coûté cher aussi d'arriver peu à peu, péniblement, à faire cette union des travailleurs et à en obtenir les résultats. Que ça devrait être éblouissant pour tout le monde. Il paraît que ça ne l'est pas. Pourtant, prenez un coin comme la Gaspésie ou moins de ce genre-là. Prenez le cas de quelqu'un qui est élevé en Gaspésie. En Gaspésie, il y avait des pêcheurs, des bûcherons, à peu près 90% de la population, et qui, dans le temps, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, où j'étais petit gars, étaient exploités à un point qui aujourd'hui paraît invraisemblable, de part des grosses compagnies. Dans le cas des pêcheurs, c'était les Robin Jones, et puis dans le cas des bûcherons, ben, c'était les compagnies qui se découpent, qui s'étaient découpées, qui se découpent encore, les limites à bois de la Gaspésie, et qui emploient encore des gens en travail saisonnier dans la forêt. À ce moment-là, tout le monde était divisé. Il n'y avait pas d'union d'aucune sorte. Et c'était littéralement, prends ce qu'on t'offre ou bien va-t'en chez vous. Et ce qu'on offrait, bien évidemment, c'était pas assez pour vivre. Ce qui fait que ce soit l'alimentation des familles, que ce soit le minimum vital dont n'importe qui a besoin pour se loger convenablement, se nourrir décemment, faire instruire les enfants au moins un peu, était toujours tellement marginal qu'on ne savait pas si on pourrait survivre dans ces familles de pêcheurs ou de bûcherons. Et puis, il est venu des hommes, enfin moi je me souviens qu'en Gaspésie, le premier, je crois, qui est secoué un peu l'impossibilité d'arriver à cette force des travailleurs mettant leurs faiblesses ensemble pour que ça fasse une force. C'était, entre autres, le premier évêque de Gaspé, Mgr Ross, et puis d'autres religieux comme laïcs, qui, sous la forme de coopératives, ensuite de syndicats, et puis ça s'est développé, mais péniblement, ont réussi à introduire là-dedans, sous la forme des pêcheurs unis, par exemple, et puis des premiers syndicats de forestiers, ont réussi à introduire là-dedans un minimum de cohésion, d'union des gens qui, un à un, étaient absolument insignifiants, incapables de se défendre, condamné à se faire exploiter aussi longtemps que la situation ne changerait pas. Et ça, c'est vrai, cette vérité absolument fondamentale, en tout cas tant qu'on n'aura pas une société tellement bien civilisée là, que tout le monde va être des anges, puis ça sera probablement dans un autre monde. C'est vrai dans tous les secteurs de la société qu'il faut l'union. Tout le monde s'en rend compte. Tous ceux qui ont quelque chose à offrir ou à vendre sans ce besoin-là. Que ce soit les manufacturiers avec leur association de manufacturiers, ou bien les professionnels, par exemple, pour défendre leurs privilèges ou leur position dans la société, ils se font faire des lois spéciales, qui s'appellent le barreau, qui s'appellent le collège des médecins, mais c'est des unions. Et c'est des unions sérieuses dans une société comme la nôtre, par exemple. Les gens qui vont toucher aux privilèges des médecins ou des avocats, qui se défendent soigneusement, il faut y penser plusieurs fois. Parce qu'ils ont quelque chose à offrir, et sachant qu'ils sont quand même en groupe un intérêt particulier dans l'ensemble de la société, ils ont trouvé le moyen de s'unir pour mettre en commun les intérêts qu'ils ont à défendre ou à mousser. C'est vrai aussi pour les marchands détaillants, c'est vrai partout où il y a des groupes qui sont conscients du fait que la chose qu'ils ont à offrir sous la forme de service, de marchandise, quelque forme que ce soit, peut être mieux poussée et
peut être plus rentable pour eux si ils la défendent ou la moussent ou la poussent ensemble, en groupe, unis. Voilà. Qu'est-ce que, dans une société industrielle, et dans ce contexte-là, là où tous ceux qui ont quelque chose à vendre, à offrir, qu'est-ce que c'est la position de l'ouvrier? Puisqu'on a mis un tableau, c'est bien de s'en servir, on ne mettra pas beaucoup de chiffres, juste pour établir quand même les deux pôles, les deux morceaux essentiels de la partie industrielle d'une société comme la nôtre. Vous avez le capital. Supposons que c'est les deux plateaux de la balance. Vous avez le capital et puis vous avez le travail. C'est les deux mots classiques. Alors, depuis presque toujours, en tout cas depuis, disons, le temps de la Révolution française, et puis 200 ans à peu près, le capital avait tous les droits, c'est-à-dire les propriétaires avaient tous les droits. Au début, enfin disons au siècle dernier, il y a encore 50 ans, les propriétaires de l'industrie, des grandes entreprises, ça pouvait être encore des gars. Ça ne les rendait pas plus angéliques, ça ne les rendait pas plus méchants, mais ça pouvait être encore des gars qu'on pouvait identifier. Ils étaient propriétaires, on savait qui c'était, monsieur un tel ou une réunion de messieurs qu'on connaissait. Et puis le capital, il est devenu anonyme dans la plupart des cas dans les grandes corporations. Ça, c'est ce qui se produit de plus en plus à notre époque. Capital, c'est pas M. X, c'est M. Personne, c'est des actionnaires qu'on ne connaît pas et qui, en général, n'ont même pas d'influence dans la compagnie. Il y a des gens qui dirigent et qui se perpétuent les uns après les autres à la direction des grandes entreprises. Ce qui est, par exemple, singulièrement vrai dans les grandes entreprises minières. La Noranda, par exemple, en Québec, qui est une entreprise qui appartient à un bureau-chef qui est à Toronto, qui a des entreprises ici et là, dans le Québec, comme ailleurs dans le pays, dont les actionnaires sont dispersés, dont le management, la direction générale à Toronto, peut se perpétuer plus ou moins indéfiniment. C'est normal. C'est anonyme. Et l'anonymat du capital complique encore dans un monde qui, où cette partie-ci serait trop faible, où le travailleur serait trop faible, complique encore le problème de mettre un minimum de justice dans la société parce que tout ce qui est anonyme est plus ou moins irresponsable. Et alors, on peut aller jusqu'au bout sans même prétendre avoir une conscience là-dessus parce que celui qui dirige n'est pas propriétaire. Peut aller jusqu'au bout des vieux motifs qui étaient absolus dans la société où les patrons ou le capital dirigeaient tout. Par exemple, le motif profit. C'est évident que si on met du capital dans une entreprise, on veut en retirer dans un contexte d'entreprise privée, là, que ce soit n'importe quelle entreprise privée, on veut en tirer le plus de profit. Le profit, s'il n'est pas contrôlé, et le besoin du profit qui est intense, Il faut beaucoup de profit pour garder ses jobs quand on est dirigeant d'une compagnie, par exemple, puisque les actionnaires, quels qu'ils soient, il y en a toujours des gros, avec les petits qui sont très nombreux, dans les plus grandes entreprises, il y a une exigence du profit. Parce que l'actionnaire qui met son argent là-dedans, si loin qu'il soit de l'entreprise, il veut, ça profite, ça rapporte. Et alors, le profit, quand il n'y a pas un contrôle sur cet appétit normal du capital qui veut avoir du rendement, ça mène à des abus. Des abus qui ont été dans le temps. Mais dans le temps, ça ne veut pas dire il y a 5 siècles ou il y a 1000 ans. Il y a encore 50 ans puis 100 ans, c'était courant. Le travail des enfants, par exemple, à des 10, 12, 14 ans, le travail des femmes n'importe où et dans n'importe quelle condition, les salaires qui étaient littéralement des salaires pour juste empêcher les gens de crever de faim, et puis, si t'es pas content, prends ton paquet. Parce qu'à ce moment-là, dans l'autre plateau de la balance et pendant très longtemps, les lois, l'État lui-même, parce que la balance, elle doit avoir une sorte de régulateur au milieu qui s'occupe du bien commun, de l'intérêt général au milieu des intérêts particuliers, puis il s'appelle l'État. Or, pendant longtemps, dans le genre de société où on était, puis pendant longtemps, jusqu'à pas tellement longtemps, l'État, il appartenait au capital, à toute fin pratique, au patron. Il était de la même famille. Et c'est pas, il n'y a pas des siècles que dans Québec on a connu la police, les matraques, etc., qui automatiquement sortaient uniquement pour aider les patrons. Alors, il y avait toujours des bonnes raisons. L'ordre social était menacé. Mais l'ordre social qui était menacé était l'ordre social du patronat, du capital. Et alors, péniblement, chez nous comme ailleurs, ça c'est l'histoire à peu près partout du syndicalisme, les travailleurs qui, un à un, n'arrivaient à rien sauf à se faire exploiter, pressurer et remplacer. C'est si facile de remplacer de la main-d'œuvre quand elle se défend pas. Remplacer quand ils étaient plus bons. Péniblement, à travers des chicanes qui ont été héroïques avec l'État, puis le capital et l'ensemble de la société qui était contrôlée uniquement de ce côté-ci,
et à travers des luttes héroïques qui ont amené du sang, sans compter les matraques, et pendant des années et des années que peu à peu, des lois ont été passées. La loi du salaire minimum, par exemple, peu importe qu'elle soit insuffisante, c'était une sorte de révolution quand la loi du salaire minimum est arrivée. Le salaire minimum, ça n'existait pas avant. Et c'est pas très ancien. Regardez l'histoire des lois du salaire minimum. Dans l'histoire du Québec, c'est pas très ancien, période non plus. Les lois qui amènent, enfin appelons-les aujourd'hui le Code du travail, c'est la plus récente, qui régissent les relations essentielles entre les deux blocs. Et puis, prenons aussi la loi, simplement là, pour donner un trio symbolique, la loi des accidents du travail. Bon. Ben alors, peu à peu, essentiellement par la pression qui est venue de ces gens qui étaient tout dispersés, les travailleurs, qui peu à peu, péniblement, se sont groupés, ont fait l'union. Eh bien, les trois choses essentielles qui peuvent établir un certain équilibre dans une société, puis la civiliser un peu, grâce à la force unie des travailleurs, ont commencé à leur être accordées. Et le trio ici reflète assez bien ces trois choses, qui sont le salaire, parce qu'il faut tout de même avoir assez pour vivre dans une société où on parle continuellement de progrès technique, de progrès de la production, et il faut tout de même que ça soit distribué un peu à ceux dont la seule marchandise, c'est leur travail. C'est quand même marchandise essentielle. C'est tout ce qu'ils ont à mettre sur le marché. Au moins que ce soit comme les autres, qu'ils aient la possibilité que ce soit reconnu à un prix qui soit équitable. Disons que, au moins le salaire minimum est le symbole de ça, mais aussi les conventions collectives, les contrats, qui ne viennent que par la force unie des travailleurs. Et ensuite, la sécurité. La sécurité dans deux sens. Prenons par exemple le domaine minier, sur lequel, moi, du point de vue du gouvernement, je travaille depuis quelques années, puis, qui est un des plus affectés par ce mot-là. La sécurité dans deux sens. La sécurité de l'emploi, c'est-à-dire que celui qui a un salaire et qui réussit de peine et de misère à travers sa force unie comme syndicat à le faire monter à un niveau à peu près équitable, qu'il ne soit pas exposé à le perdre à tout bout de champ, à propos de tout, à propos de rien, puis des caprices du capital, qui sans aucune responsabilité, s'il est laissé à son instinct normal, qui est d'accumuler les profits, puis de couper à main d'œuvre chaque fois que ça fait son affaire. Et puis aussi la sécurité physique. Parce que, prenez le domaine minier, par exemple, ben, c'est un domaine qui, pas nécessairement plus tragiquement dangereux que les autres, n'est quand même pas un domaine de tout repos au point de vue physique. Et où ça peut coûter des fois 50 000 $, 100 000 $, pour corriger quelque chose qui est dangereux pour la sécurité de la vie, parfois. Et en tout cas, souvent pour la sécurité de la santé, par exemple. Mais chaque 50 ou 100 000 $ ou davantage qui est dépensé pour protéger des vies, il est enlevé, évidemment, d'un profit. C'est pas marqué qu'en général, avec l'impôt sur le revenu puis tous les échappatoires qu'il y a dedans, on peut toujours s'arranger. Mais enfin, il reste que moins on en dépense de ce côté-là, plus l'instinct normal du profit se sent assouvi. Alors, il faut, là encore, que ce soit collectivement que ces choses-là soient obtenues. C'est ce deuxième minimum et le troisième, qui est la dignité. Qui est un grand mot, il n'est pas long à écrire, mais qui est un grand mot qui veut dire tellement de choses, mais qui, dans Québec, peut être, parce que il y a bien des façons d'aller à chercher la dignité dans les définitions, mais dans Québec, peut vouloir dire aussi une chose additionnelle. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici en profane, c'est vrai partout dans toutes les sociétés plus ou moins industrialisées. Mais dans Québec, comme dans d'autres pays, mais Québec a ceci d'additionnel avec d'autres, mais qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est que le capital y est étranger en grande partie, ou à peu près au complet dans les grandes entreprises. Ce qui fait que dans la dignité du travailleur, qu'il soit gaspésien, qu'il soit de l'Abitibi ou qu'il soit d'ailleurs, dans la dignité du travailleur, il y a quand même le fait qu'à 90% ou davantage, dans ces régions-là, il est un Canadien français. Mais il est un Canadien français dans des grandes entreprises dont le contrôle est étranger au Québec. Et d'ordinaire, qui n'est pas français. C'est pas un reproche à lui faire, parce qu'on était bien content de le voir arriver. Mais on est moins content quand, pendant des années et des années, s'il est laissé libre d'agir comme il veut, au point de vue de la dignité minimum qu'un Canadien français peut exiger, par exemple, d'être respecté un peu, que il puisse négocier des contrats puis savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ça soit dans sa langue. Que le travail se fasse dans sa langue aussi, de façon à ce que les promotions, ils ne soient pas bloqués, simplement parce qu'ils ne comprennent pas assez bien la langue d'un contremaître ou de trois gérants. Ben, ça fait partie de la dignité. Et c'est des choses
Dieu sait, ça, si l'expérience le prouve, qu'on n'obtient pas un par un en allant dire, s'il vous plaît, voulez-vous nous respecter. Ça s'obtient, comme le reste, en allant chercher de force et collectivement, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, par l'union entre les deux plateaux de la balance et à condition que l'État joue son rôle en améliorant ses lois, parce que forcément, les forts n'ont pas besoin d'être défendus contre les faibles. Oh, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui disent les unions vont exagérer, puis ça commence déjà qu'il y en a qui exagèrent. Ben, ça, c'est comme certains qui disent, s'il y a trop d'éducation, qui c'est qu'on va trouver pour couper le gazon? Ben, ça, quand on sera rendu là, on se le demandera. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Bon. Maintenant, il y a des gens qui disent, ben oui, l'union, ça crève les yeux. À un moment donné, c'est vrai que ça crève les yeux. Il n'y a pas d'autre façon d'obtenir ce minimum-là pour ceux qui, un à un, sont faibles à un point sans défense, que de mettre toute leur faiblesse dans un bloc, puis là, ça fait une force. Mais il y a des gens qui disent, ben oui, mais il est-il nécessaire que ce soit des syndicats là, qui se ramifient, puis qui ont beaucoup de locaux, puis des grandes unions. Là. Par exemple, moi, je vis, disons, à Québec, ou bien à Rouyn-Noranda, ou bien à Arvida, ou à Murdochville. Alors, pourquoi je serais obligé d'être affilié avec d'autres? Pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas notre petite affaire chez nous? Ça, c'est une des façons classiques de prendre le mot « union », puis de lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il peut réaliser, ceci. Parce que, on appelle ça l'union de boutique, couramment. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'union qui est si bien locale que le patron l'aime beaucoup. Il a tolère. Non seulement il a tolère, des fois il lui donne le bureau à côté, pas loin, celui du gérant, comme ça on peut se parler plus facilement. Et puis, un numéro de téléphone, tu sais, pour que personne ne soit obligé de chercher, la compagnie le fait imprimer, le numéro de téléphone. Alors comme ça, on est sûr qu'on va le trouver, il n'y aura pas de difficulté. Et vous? En fait, il y a une loi dans Québec qui ne va pas bien loin, mais pourtant elle le dit clairement, ce qu'il faut penser des syndicats de boutique. Il y a un article dans le Code du travail, là, la nouvelle loi des relations entre le capital et le travail, qui dit, article 11, « Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs, ne cherchera d'aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d'une association de salariés, ni à y participer. » On peut dire, l'employeur, il vient pas. Puis le gérant, il se montre pas, on fait ça tout seul. Mais on est perpétuellement dans un cas comme ça, où il y a cette espèce de contact intime et fraternel entre les deux plateaux de la balance. On est toujours perpétuellement exposé à ce que, quand viennent les revendications sérieuses, on soit compromis. Que l'union, en fait, on s'aperçoit tout à coup qu'elle est rongée par les mythes parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé en coulisses. Et c'est inévitable que ce danger-là soit toujours là. Parce que là, on a un syndicat solitaire, isolé. Et en fait, plus ou moins ouvertement favorisé par le patron. Mais le patron ne favorise pas, c'est normal, il ne s'agit pas de le blâmer, il s'agit de blâmer ceux qui se laissent prendre cette histoire-là. Le patron favorise, il fait son affaire. Et pendant des années, ça peut aller bien, parce qu'il n'y a pas de problème trop grave. Puis tout à coup, il y a un problème grave, on s'aperçoit que l'union, on ne l'a pas. On est obligé d'aller la chercher, justement, parce qu'il y a un problème à régler. Elle est ailleurs, elle n'est pas dans ce système-là. Et en plus, ça fait nécessairement un syndicat solitaire, parce que dans nos lois, dans notre système, un syndicat doit se faire certifier, obtenir son papier officiel sur la base d'une entreprise bien spécifique, une usine, un endroit où on produit. Alors, syndicat de boutique qui est reconnu localement, alors gentiment, forcément, par définition, il ne s'affilie pas à rien. Il est seul dans son coin. Il est relié à personne. Il n'y a pas de force de recherche. Il n'y a pas de force aux besoins pour un coup dur parce que des fois, il peut avoir des problèmes qui demandent qu'on soit aidé d'ailleurs. Mais il peut être exposé aussi à être, et ça arrive très souvent, dans une compagnie qui, elle, a plusieurs grosses entreprises. Prenons un exemple qui est bien connu dans le Québec, et puis qui vient simplement, pas parce que ça n'a rien de personnel, je sais, je n'ai même pas une action dans la compagnie, mais qui est dans Québec, dans le domaine des mines dont je m'occupe. Vous avez Noranda, bureau-chef à Toronto. Bureau-chef à Toronto. Il y a des entreprises dans l'Abitibi, mettons Rouyn comme exemple. Il y a des entreprises en Ontario. Il y a des entreprises en Colombie-Britannique. Ça, c'est tout la Noranda, ça. Et puis, il y en a à Murdochville, en Gaspésie. Bon. Alors, supposons qu'à un endroit quelconque, vous avez un petit syndicat qui est tout seul, lui. Et puis, il est bien vu par la compagnie. Il est en face d'un
une énorme entreprise qui est ramifiée partout. Si à un moment donné, le petit syndicat tout seul, il veut fermer la production, ça peut continuer ailleurs. La compagnie n'est pas... Il n'y a pas de rapport de force, on parle pas entre égaux dans ce temps-là. Parce que pour parler entre égaux, il faut avoir une force suffisante pour dire à la compagnie, attention, prends-moi au sérieux parce que moi aussi, je couvre ton entreprise. Alors, là, on peut se faire du mal tous les deux. C'est malheureux, mais on n'est pas dans un monde d'anges, c'est comme ça que ça se règle. Seulement, si le petit syndicat, il est tout seul dans son coin, supposons, là. Ça peut arriver. De moindrement qu'il veut aller un petit peu trop loin, puis ça vient vite trop loin dans un cas comme ça. Il est seul. Alors, il est exposé, non seulement éternellement à être faible, mais aussi exposé, je ne veux pas dire que ça arrive nécessairement, mais exposé éternellement à être compromis. Et à s'apercevoir qu'en fait, son union n'existe pas. Alors, il me semble que ça crève tellement les yeux que tout ce qu'on peut ajouter là-dessus, c'est une ou deux choses qui concernent des arguments qu'on entend, là, et qui valent même pas le papier sur lequel on les imprime, mais qui s'emploient. Par exemple, il y a des gens qui disent, oui, mais les gros syndicats affiliés là, à des centrales ou à des grandes unions, il y a des gars là-dedans qui sont bien ambitieux, puis à un moment donné, ils servent des ouvriers, ils abusent. Ben oui. Mais si on a un syndicat, justement, on a partout sa force entre ses mains, puis si on est des gens responsables, il y a des gars qui abusent, ça peut arriver. Ça arrive chez les patrons, ça peut arriver chez les syndiqués. Ben, on peut s'arrêter là, parce qu'on a le droit de vote. Il suffit, bien sûr, que son droit de vote n'est pas empoisonné, qu'on soit capable de l'exercer librement, puis que le syndicat est démocratique. Et à ce moment-là, la force de l'ouvrier, elle appartient à l'ouvrier. Et s'il y a des abus, c'est parce que c'est lui qui les veut. S'il n'y en a pas, c'est parce que c'est lui qui sait mener son syndicat parce qu'il a l'absolue autorité du gars dont le vote est libre. Et c'est à lui de voir est-ce que ça reste libre. Évidemment, il y a des bandits aussi dans les grands chefs syndicaux, par-ci, par-là, beaucoup plus rares que certains le disent. N'oubliez pas qu'il y a des grands journaux qui appartiennent à des grands patrons, puis ils sont de ce côté-ci de la balance. Alors, chaque fois qu'il y a un syndiqué qui se fait attraper, ça fait des manchettes grosses comme ça. Quand il y a des patrons, des présidents, des vice-présidents de compagnie qui arrivent, pas souvent non plus, mais ils vont en prison, ben, ça ne fait pas des aussi grosses manchettes, ordinairement, si on peut. Puis personne ne va dire, à cause du fait qu'il y a un président ici ou un vice-président là, qui se font prendre la main dans le sac à quelque moment, que l'entreprise privée est devenue contaminée. On dit, il y a des gars contaminés, puis on les sort, comme il y en a dans toutes les professions, dans tous les métiers. Ça peut arriver aussi, dans le syndicalisme. Mais c'est pas une raison pour... C'est à peu près comme le gars qui dirait, ben, je vais jeter le bébé avec l'eau de la baignoire parce qu'il y a une mouche dans l'eau. Le syndicalisme demeure une chose absolument essentielle, vitale, l'union des gars. Puis le dernier argument de celui-là, c'est vraiment cocasse. Il y a des gars qui disent, ben, il faut garder les syndicats en dehors des grosses affiliations, puis garder ça chez nous, notre patente, là, vous voyez bien avec le patron, parce que comme ça, on est maître chez nous. Il n'y a pas des gars qui vont venir dans dehors pour dire ça. Ça, c'est à peu près aussi exactement à l'envers du bon sens et à l'envers de la réalité qu'on peut l'être. Et vous, le gars qui dirait ça, on veut avoir notre petit syndicat parce qu'on veut être maître chez nous. Et on est bien, là. Et puis, on n'a pas de gros problèmes. Si on en a, en tout cas, on aime mieux peut-être pas trop y penser parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y régler avec ce système-là. Mais comme ça, on est chez nous, quand même. Ah oui, il est chez lui, je comprends. Mais maître, à ce moment-là, c'est essentiellement le patron et le gérant qui ont toute la maîtrise. Les autres ont l'illusion. Tandis que ce que ces mots-là voulaient dire, parce que c'était pas seulement pour faire une élection, ces mots-là, si ça veut dire quelque chose, ce que ça veut dire, c'est justement que pour tout un peuple, ça c'est vrai en Gaspésie, en Abitibi, à Québec, à Montréal, partout, pour tout un peuple, ça c'est tout nous autres, que ces trois choses-là, sous quelque forme que ce soit, qui sont, parce qu'essentiellement on est un peuple de travailleurs, et on peut en chercher nos capitalistes du terroir, on n'a pas épais, puis de toute façon, ils ne pèsent pas lourd dans le système économique. On est un peuple de travailleurs, de quelque sorte que ce soit, travailleurs intellectuels, travailleurs avec des mains, travailleurs avec des collets blancs, travailleurs avec des collets bleus. On essaye de faire collectivement notre promotion. Puis maître chez nous, ça veut dire que dans sa maison, qui est la nôtre, on n'est pas obligé d'être des serviteurs taureaux, qui s'excusent plus ou moins d'être ce qu'ils sont, et puis qui, par définition, sont considérés un peu comme de la main-d'œuvre indigène. Ils font pas attention. La main-d'œuvre indigène, dans le sens là, le plus connu là, de l'emploi colonial de ce mot-là. C'est-à-dire qu'ils devraient être bien contents des capitaux qu'on leur apporte et puis les conditions, ils n'ont pas à en poser. Alors, mettre chez nous, ça veut dire de rectifier ça sous la forme des revenus.
qui viennent en particulier, disons, de nos richesses naturelles, au point de départ, mais ça veut dire tout le système économique aussi, mais enfin, au moins, au point de départ, que cette partie-là, aussi bien que ce soit pour les taxes qu'on reçoit pour le budget provincial à même nos richesses naturelles, que les revenus qu'on en tire dans tous les domaines, que ce soit les fournitures pour les exploitations, les entreprises qui les exploitent, ou les salaires pour ceux qui travaillent dedans, y compris aussi les promotions pour ceux qui les méritent, et que ce ne soit pas toujours des gars qui soient parachutés dans dehors pour prendre des postes clés. Enfin, on veut un ouvrier, c'est vrai, pour lui, comme pour un cultivateur, comme pour un autre, tout le monde se gargarise actuellement, et c'est un gargarisme fécond. Il faut instruire les enfants plus que jamais. Alors, c'est évident que le fils de l'ouvrier, il veut qu'il soit autre chose que lui et davantage. Mais pour ça, il faut que les jobs soient ouverts, qu'il n'y ait pas des barreaux partout dans les entreprises qui disent, belle valeur, ton garçon, il est plus instruit, mais seulement, on n'a pas besoin de ces gars-là, ils peuvent venir d'ailleurs. Bon. Alors, que ce soit le revenu, la sécurité collective de l'emploi, et la dignité aussi collective d'un peuple et puis des individus qu'il forme, vis-à-vis de sa culture, vis-à-vis de sa langue, du fait de ne pas être obligé de se trahir soi-même pour avoir des emplois ou pour pouvoir survivre dans une entreprise. À tous ces points de vue-là, mettre chez nous, ça veut dire exactement, encore une fois, que c'est tous ensemble, unis, puis le mieux coordonné dans tous les secteurs qu'on peut y arriver.